Cette émission vous est proposée par Case Créole Construction, les maisons les moins chères de La Réunion. Vous regardez Plaisir Créole avec Soleil Réunion. Tous et bienvenue sur Canal Austral. En fait, vous êtes toujours le bienvenu sur Canal Austral. On est dans l'émission de cuisine comme chaque semaine. Et ben, c'est un éternel recommencement, comme on dirait tous les semaines. On fait la cuisine et cette semaine encore, nous chappe pas, comme dit Créole. Et aujourd'hui, ben, c'est quelqu'un que tu connais bien, ça n'y fait la cuisine. Quelqu'un qui est là tout le temps avec nous, mais que ces derniers temps, il n'y a pas trop eu l'occasion de faire la cuisine parce qu'il était un petit peu en aspect cuit tout le temps. Il vient battre son carré, tout le temps, il vient donner des conseils et tout ça. Non, c'est pas Bernard, même si Bernard sera là aussi aujourd'hui. Non, mais c'est Calix. C'est Calix aujourd'hui qui fait la cuisine. Ouais, Calix, il fait toute la cuisine de la journée aujourd'hui à 10h10. C'est son jour aux ordi, c'est lui qui fait la cuisine là et il ne veut pas y maille avec lui. Midi, parce que le mot, il l'a dit, hein, il a dit, il ne veut pas y maille avec lui. Hein, le reste, il ne dit pas. Voilà. Et ben, il paraît que lui, ça fait des choses un petit peu, pas tout à fait atypiques, mais des choses que. Un manger créole, vraiment, cette créole, il aime. Et elle aussi, il aime parce qu'il fait ça souvent. Et il a commencé par un rougail zando. Oui, un rougail zando, une façon créole dans lequel ça mélange des petits lardons dedans, c'est-à-dire un gars andouille au lardon, hein, pourquoi pas, hein. Et comme nous connaît pas trop qui sera là aujourd'hui, eh ben, on va faire écouter un petit poisson. Et le poisson le plus typique de La Réunion, un poisson que n'est pas ici d'ailleurs, que tout le monde y connaît bien, quoique un peu de monde ne connaît même pas que c'est un poisson, parce que des fois quand il arrive, il est tellement sec et tellement salé que des fois il ressemble même aux planches, sapin, la reste longtemps sous la pluie dehors, hein. Et ben c'est la morue, hein. Donc un rougail la morue, mais le rougail la morue de Calix là aujourd'hui, là ça va pas être un rougail la morue comme d'habitude, ça va être un rougail la morue sans tomate mais avec des fleurs d'oignon à l'intérieur. Oui, parce que là-haut à l'écurie, nous en a, enfin bassin la boue, nous en a des oignons que nous l'a planté, des oignons verts, et donc que nous a pas coupé, hein, parce que la laisse pousser là-haut, comme il pleut beaucoup, donc il pousse bien là-haut chez nous là-haut, et donc du coup ben ces oignons là, les devenus en fleurs d'oignons, et donc comme ils jettent pas rien, donc nous récupère ces fleurs d'oignons là et nous ça fait un rougail la morue avec des fleurs d'oignons mais sans tomate, c'est-à-dire sec, avec que des oignons secs dedans, un petit peu de l'ail dedans, je suppose, et après à la fin nous rajoute les fleurs d'oignons à l'intérieur coupées en petits morceaux. Enfin, pas les fleurs d'oignons, hein, les tiges des fleurs d'oignons, hein. Tout ça après sera accompagné avec un petit bread, mais là c'est un petit bread que exceptionnellement là m'y pense que Calix va laisser aller, laisse Bernard faire. C'est Bernard va faire le petit un petit bread, mais directement comme ça que ça fait coûte à moi un petit curry de bread épinards avec piment dedans, pas un curry, hein, un petit sauté, mais connais pas sauté parce que c'est des épinards en boîte que lui a fait acheter à moi ce matin. Là il veut pas épinards frais, il veut des épinards en boîte. Dis-moi comment goûte ça, mais gagnera piment, autre chose que ça. Oui, ça c'est Bernard. Elle a dit ça et nous va voir dans un instant s'il est vrai, parce qu'il y a moins comme ça, ça rajoute piment dans la magade, un coup mon bras, quoi. Oh non, magade, t'as l'air comme trois fins manger, hein. Mais bon, ok, et après, ben, accompagné d'un petit peu de piment, un petit peu de grain, sinéna, mais je crois que je l'oublie le grain. Ouais, je l'oublie le grain parce que Soleil Réunion, là, il va nous des grains, des haricots, des grains, et m'a laissé en bas chez Case Créole, là-bas dans le village témoin de Case Créole. Et m'y pense que ça a pu retourner, vu l'heure il est, m'y croit pis que ça retourne en bas pour aller récupérer. Allez, ben, aujourd'hui, n'aura pas de grains, et ben on aura de grains la semaine prochaine alors, hein. Pas que s'il m'y trouve une boîte de grains de Soleil Réunion qui reste encore dans le dernier arrivage de la dernière fois. Nous va voir tout à l'heure pour ça, hein. Bon, écoute, nous arrivons un instant là-haut et puis après le temps de préparer tout ça, faire la mise en place, on va laisser arriver après, et après ben nous va commencer cette émission de cuisine. Allez, les parties, alors nous retrouve là-haut dans un petit instant. Allez. Thank you.
Jean-Claude. Ça va? Ah, nous retrouvons nous un petit coup, on a longtemps pourquoi on est là. Ben oui, en plus, nous voilà, si en face là, on dit. Tout seul, pas tout seul, parce qu'il y en a Franck avec nous. Bonjour, Jean-Claude. Bonjour, Franck, comment allez? Ça va, correct, yo, ça, ça va. Ça va. Quand il dit pas, moi, je des ordures. Hein? Non. Il y en a d'autres mondes d'arriver, mais il ne connaît pas trop qui ça. Donc, tu commences un petit peu, parce que. Ben, il y en a des affaires, il faut commencer. Au moins, ben, là, quand il arrive, il y a 6 autres mondes. Si les autres arrivent, il faut faire cuire encore devant. Ben, hein? Même pas moi, garde, moi, il m'a à moi. Et ma fille dit dans mon introduction, on dit sur cuisine. Ah oui, cuisine, on dit. Ah ben. Hein? Oui. D'après, bon. Maille, dis pas. Hein? Non, cousin Maille Brown. Non, la Bernard, t'as rien venir parce que Bernard, ils ont dit au carême, il m'a dit comme ça, il s'est fait des épinards aujourd'hui. Hein? Il a fait sans épinards, mais d'ailleurs, il a fait, moi. D'ailleurs, il a fait. Mais bon, alors, Franck, vous connaissez comme ça, Calix, ça fait son ou là? Ben, m'y voit un peu sur la table là, oui. Fait une cause un petit peu, t'es là, donc, nous va mettre la main à la pâte là, et puis nous démarre, ça n'a pas de souci. Voilà, on démarre tranquillement. C'est la première fois, à mon avis, nous démarre l'émission de cuisine, on est avec moi. Na Judith, elle va arriver, na Coco et François va arriver, mais Banane dans l'embouteillage un petit peu en retard. Ah oui. Bernard, Vanny, t'as l'air, Bernard, vous va venir. Donc, qu'est-ce que ça fait là? Mais là, t'es là, na Zandouille. Zandouille, nous, ça fait, comment dire? Et aujourd'hui, nous rajoutons un petit affaire dedans. Ouais. Quand on a fini, nous allons faire friter un petit peu, un petit lardon, nous allons l'arbre ici. Ouais. Et après, nous avons rougail mori sans tomate, avec fleurs d'oignons, nous avons dans le jardin. Ben, nous allons être rapides à l'air. Hein? Attrapé. Hein? Après, nous gris brésil, nous faisons un bon petit rougail brésil, manière créole. Maintenant, le goût la fumée quand il mange. Ah, ça, c'est bon. Le goût la fumée. La peau est noire. Voilà. Même si elle a un petit peu sur la peau noire, traîne dedans, pas grave. Eh, quand il plie ça, il t'a voir la peau noire. La peau noire. La peau noire, elle est à côté. Mais bon, alors, ok. Et après, bon, des épinards, bien là, t'as l'air de faire des épinards. Bien là, ne m'achetez pas des épinards frais, achetez des épinards en boîte clé parce que ça fait des épinards avec piment. Hein? Bien là, là, lui. Le puis le goût créole, le goût des oreilles là, zépinard. Ah, piment dedans. Ah, zépinard, oui. Zépinard, j'en mettais. Bah, hein, peut-être que Franck, il connaît Franck, zépinard, ou t'es mon sang. On m'a déjà mangé, mais bon, rarement. Hein. Dans mon introduction, là, m'a dit comme ça fait zépinard, il m'a montré dans mon bras. Ok. Mais après, m'a dit non, il faut me montrer après quand l'émission a fini, parce que Popeye, tout à fait, oui, ça même si Popeye. Tout le monde connaît les épinards, c'est grâce à Popeye. Grâce Popeye, tout à fait. Popeye, hein. Grâce Popeye, ouais. Ouais. C'est pour ça, Olive-Mam, la femme de Popeye. La femme de Popeye, voilà. Voilà. Okay. T'es donné les épinards mangés. Voilà, pour gagner la force. Mais l'autre épinard créole, c'est quoi? Bon, le manioc. Ça, c'est notre épinard à la Réunion. Ah bon? Ben voilà, d'accord. Mais écoute, ça commence par quoi, nous, là? Ben, mettre ça bouillie déjà. Mettre les andouilles bouillies, oui. C'est un petit peu la braise de l'arbre d'ici. Oui. Ça aussi, il faut mettre bouillie. Ah, mourir des salariés. Ça, c'est la mourir, ça. Hein. Bien fait fruitalier après. Et quand tu me disais dans mon introduction, tu as un arbre créole, là, hein, pendant longtemps, la cru que les poissons de la Réunion, c'était la mourir parce qu'il était mangé bon. Mais la mourir longtemps, hein. Mais la mourir, t'es encore bon marché, Jean-Claude. Hein. J'ai dit, moi, puis la mourir encore, le poisson meilleur marché, la mourir. Ah bon? Ben, presque. Mais presque. Comment ça se fait, la mourir, la rive chère comme ça? Ben... Ah ben, elle produit la prix de l'ampleur. Ouais. Il n'y a pas arrivé comme le bichic, mais il a monté en prix. Ben, oui, bon. C'est quoi, c'est sa rareté qui fait qu'il est cher comme ça peut-être? Ben, c'est des parables, pas. Mais jamais posez-moi la question. Ah. Pareillement, ben. Ouais. Bon, ben écoute, maintenant la morue, le kilo, il vient chez un, sous faire calcul au kilo, hein. Au kilo, et en plus là. La morue, là, sans arrêt. Sans arrêt comme là, ben. Hein? Mais la morue sort de Nazareth, là. Hein? Ali, c'est morue, ben, quand là, des fois, de mon yam, quand il fait frites. Ouais. Des os, ça y presse. Ah, tu as le œuf, mettre à côté. Mais après, le bon petit arrête, là. Pas le œuf, ils arrêtent. Mm-hmm. Quand bien fait frites, il a l'air, quoi. Quand on mange ici. Ma dit dans mon introduction, tu as là, que, donc, comment t'es petit, hein, la morue, là, hein. Comment t'es garde, Ali, t'es pendillé, ou bien t'es dans un petit farfar, là, hein. Parce que t'es ramassé dans le farfar, oui, hein. Oui. Et ben, il était pareil à un vieux morceau planche sapin, là, reste longtemps sous la pluie. Voilà. Ben, il était vilain. Il était vilain. Comme là, la morue, la nisolie. Ah oui. Jean-Claude, longtemps, t'es mort la morue ici. Parce que n'importe quelle heure, papa, maman, n'importe quelle heure, la poêle la viande, la poêle d'autres affaires manger, la morue là, il ne tient pas tout à un coup, ça, il casse un bout. Ouais. Mais si la boîte fait griller, crase des piments, un repas un créole longtemps. Ouais. Dans la semaine, au moins 3-4 fois, il fait ça. Ouais. Après, le dimanche, il avait un petit plaisir.
Ouais. Et voilà. Et puis après, il ne te garde pas, il te salue. Ouais. Voilà. Hein? Donc, tu peux conserver très longtemps. Quand tu es pas déjà au moins les intouchables, ouais. Ben, au moins le rat, il ne doit pas d'ici. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais le rat, d'accord, longtemps. Mais comme là, qu'on voit un rat ou une souris dans le cas, hein? Ben, là, on l'appelle au cri. On l'appelle désinfecté. Ah. On l'appelle dans une société là. Ou des autres comme ça. Viens, viens, parce que maintenant, les rats, maintenant, machin. Mais longtemps, tu vis avec ça. C'est vrai. Mais maintenant, il faut faire attention. Parce que le rat, les plus dangereux, il apporte ce qu'on appelle la leptospirose. Et ça, dangereux. Hein. Donc c'est pour ça que il faut essayer de réguler, hein, la quantité, voilà, de rats que nous avons ici à La Réunion, parce que trop de rats, nous risquons d'avoir des problèmes. Hein. Mais nous ne parlons pas là de cuisine avec des rats, nous, là. Hein. Non, mais c'est une petite parenthèse. Voilà, une petite parenthèse. Vous dites que longtemps, quand tu es dit comme ça, que tu as une cause avec saucisse boucanée, reste pendillé. Et tout était pendillé à cause des rats. Voilà. Voilà, exactement. Hein. C'est ça. Hein. Ok. Quand une cause avec saucisse boucanée, reste pendillé. C'est un cause, mon grand créole, ça, moi, hein? Ah, oui. Ôté, souhait que tu dis ça bien, là, hein? On va percevoir que là-dedans, là, hein? La première qu'est cause, moi, hein? Il y a aussi une philosophie. Ou tu peux rien qu'à l'être. Non. Oui, une philosophie. Écoute, ou là, ouais, philosophe, ou genre. Non, mais déjà, là, là, ouais. Mais bon, on peut les affaires. Moi, quand il cause avec boucané, oui. Saucisse, respondier, ben. Bien quand il cause avec saucisse, boucané, respondier, là, là. Oui. Moi, quand on a un grand monde, on a dit où ça, là. Ouais. Bon, ça, c'est un petit coin, ça réfléchit. Oui, mais ben là, sans le terme comme là, ouais. Un petit peu plus en français. Ah bon? Il dit comme ça, il dit quand il cause avec, pas cause de coup de cousin. Ah bon? Ben ça c'est comme my brand, my non, mais my tout. Pas. Parce que comme là on dit c'est un créole, les vieux créoles, on dit comme quoi les saucisses, quoi les boucanés là, les vexés, hein. Ouais. Ah, il vexe ça, lisse. Bravo, ça. Tandis que comme là. C'est péjoratif. Il y a un mot français. C'est péjoratif. Hein? Tout à fait. Voilà. Hein? Voilà. Hein? Et cause-moi un couillon pour prendre le mot créole. En graine. Moi, je ne dis pas ce mot-là. Oh, machin. Ben là, c'est maille. En graine maille. Graine maille. Maille brune. Un petit hommage à maille brune. Bon, Calix, nous mettons ça bouillie alors. Allez, hein? Oui, après nous ça dans le jardin. Oui, après ça, tu as pris des épices. Mais bon, allez. Ok. Le deuxième feu me déplace parce qu'il n'y a pas de petit mamie. Ah, voilà. On a ici le petit affaire ici. Ok, oui. Il vient fait deux feux alors. Et dans le premier feu, là, on va mettre le andouille bouillie. Il fait un pile andouille. Il fait un pile andouille un instant là. Fini, hein? Ça va. Elle est bon là. Hein? Là, moi, c'est bon, moi là. Après, on a de la boîte, c'est bon. C'est bon. Crème, alors, on a des épices, ben. Hein. Des hommes, là, fleurs d'oignons. Fleurs d'oignons. Hein? Et là, Franck, autant de fait l'ail toujours, là? Toujours, l'ail d'oignon. L'ail d'oignon, ça, c'est Franck, ça. Hein? On parle toujours. Hein? On sait gagner l'avance. Gagner l'avance, hey, voilà. Franck, vous connaissez que ça fait mal d'une à moins? Ou pas voir le place des oreilles là, les oreilles pâtivées, Madagascar. Ah, Claude. Non. Claude, un petit coup pour Claude. Claude, t'as pas volé, on l'a remplacé. Remplacé. Coucou Claude. Et bon, ben, allons rendre les fleurs oignons alors. Regarde, hein. Vous s'en rendez? Allez, allons. Électrique ça, qu'est-ce que ça porte à la commande électrique, quoi? Ben, ouais, puis c'est un petit bouton, il rouvre. Voilà. Ben, voilà. Bon, hey, regarde que ça, Daniel l'a fait là. Regarde là, toute la cendre, il la met en dedans là. Ça, c'est pour tuer tous les insectes, ça. Ben, et regarde ça, hein. À nous, t'en rôde Bringel là-bas, regarde Bringel, qui a été Bringel là. Vous l'avez vu ça? Hein? Ça vous fait griller, vous faites vos gars pareil. Il fait pareil ça? Pareil. Ah bon? Ouais. Ouais. Ma fille, il fait dur. Il fait les parce qu'il est petit. Ouais. Ah non, je suis là bien cuit, c'est la braise. Ouais. Il gratte pas où il y a. Bon, Maurice là-bas, il a un beau pessard. Là, sur le marché de Maurice, là-bas, ben. Il trouve ça beaucoup. Oui, oui, oui. Et Mico, il n'est pas trop pourquoi tu utilises ça. Mais en tout cas, nous ici, nous avons planté et Nena. Hein? Ben, nous allons utiliser. Allez. Nous allons utiliser, vous prenez alors? Laisse aller les affaires. Prochaine fois alors? Ben la prochaine. La prochaine fois. Mais regarde la terre, comment on la mettre la cendre partout. La cendre là, selon moi, elle a un insecte. Ouais, ben pour éviter la cendre. Daniel, il connaît lui. Il connaît lui, ben. Hein, nous avons canne noire aussi. Quelle canne noire? Il trouve plus trop canne noire comme là, hein? Non, ben là, il est planté, variété sur le même petit pied là. Garde la source. Hein. Ben. Ah bon? Bon, ben là, nous plantons des oignons. Là, c'est des petits oignons verts. Là, on apprend un petit peu.
Mais après, ça nous a cherché, c'est pas trop ce joignon là, là, hein. Ça la met dans le gars. Ça met dans le gars, ça dans le gars brinjal là. Ben. Hein? Voilà, hein. Et même pour arroser un petit peu dessus le zandou, il y a pas à la fin. Ben. Alors ça nous a rodé, c'est ça. C'est ça. Ça c'est cresson, cresson, cresson la terre. Cresson la terre. Regarde là, Maléwa, un petit coup là de côté là-bas, regarde la cresson la terre. Voilà. Et on peut faire mais là on peut prendre un petit peu là pour faire un petit une salade. Un petit salade. Oui. Salade cresson la terre. L'entrée. Voilà. Il faut couper comme ça, détruire pas les. Non mais il repousse. Il reboisonne. Il 3 ou 4 fois. Là nous a replanté là, son premier pouce là. Hein, parce que la dernière fois, quand nous l'a planté là, nous la laisse coupe 3 fois ou 4 fois. Oui. Après, et puis bon, donc, il faut. Pareil, canne ça. Canne il coupe tous les 7 ans. Ben. Elle fait 3 coupes après 3, les bons. 3 coupes après les bons. Voilà, ben. Hein. Cresson la terre. Hein. Qui ça a dit a besoin de l'eau pour le cresson? Non, il faut dessous, il y a de l'eau. Ouais. En haut, il y a de l'eau, en haut, pas besoin. Mais là, si toi, tu vois, nous mettons un pot de liane dessous, là, un petit pot de liane noir. D'accord, là, hein, avec et ce pot de liane noir qu'on met de l'eau dedans, là, il retient l'eau. Oui. Et donc, du coup, le cresson, il prolifère vite. Là, il y a fumier sauval là-dessous encore. Oui, il y a fumier sauval aussi là-dessous. Là. Ben. Beaucoup de cheval là, il a toutes les affaires. Ben oui, avec un cheval, d'ici, il n'y a que fait joli. Ben, mon dessus fait joli. Ici, il y a aussi voilà. pour agrémenter la terre. Hein, pour enrichir la terre, voilà. Voilà. Allez, bon, un petit peu comme ça, juste pour faire joli dessus le plat là. Hein. Et là, nous, à sa rote de Zadmani chercher là, c'est les fleurs d'oignon. Hein. Voilà. Donc, ce que nous l'a fait, c'est que nous avons planté des oignons verts, hein, mais nous avons laissé des oignons verts tellement vieux que. Oui, nous avons les fleurs pour faire fleurs, hein. Nous avons la mort. Voilà. Hein. Et ce n'est pas le fleur que nous avons mangé. C'est la tige, hein? La tige. La tige, hein? Là-bas, on a des tiges un peu plus grosses. C'est un peu plus frais, ouais. Là, on a des tiges plus grosses. Pour l'autre côté aussi, là-bas aussi, non, encore là. Voilà. Et ça, ils vendent dans le marché forain aussi, ça. Ben, hein? Ben. Donc, on a des gens qui achètent qui ça. Qui cultivent ça forain, ben, qui cultivent exactement ben, les fleurs de le Lyon. Le mot français, c'est cultiver, encore. Cultiver, oui. Ben. À nous, comme on nous dit, nous, on plante. Plante. Ah. Non, le moment, on doit dire cultiver, même nous. Ben, m'a profité, m'a fait un petit coucou à machin alors Marcelino Chaton, on connaît où Marcelino Chanter. Ouais. Ben. Hein, qu'est-ce qu'il a dit? Mon coton planté. Mon coton planté, mon coton mangé. Mon coton planté, planté. Ça, c'est bon. Allez. Ah, non, c'est... un petit peu là-bas, non côté ça, là-bas. Ça, c'est joli. Ah, là-bas, les gros. Hein ah. Autant le droit de fumier cheval. Regarde le fumier cheval, c'est là. Oui. Partout là. Un bon fumier, ça. Ah, là, on est là, fleur d'oignon, là, hein. Ah, c'est ça encore. Alors qu'il y a un gros là, gros là. Ah, c'est. Allez. Mais il s'adapte. Fait plaisir de voir. Voilà, voilà. Non, on aurait un bon petit peu ici, hein, maintenant. Hé, hey, Calix, c'est quoi ça? Regarde la quantité, Nena, ici là. Moisellier, qui est Bringel, Bringel, Bringel. Comment on appelle ça, Bringel Maurice? Non, dis-moi, hein. Zélier, parce qu'il est la Réunion, là. Ah bon, quand il y a la Réunion, on appelle Bringelier, là. Non, le fait que les petits, ben, créole, créole, Bringelier. Si t'es gros, t'es dit Bringel de France. Mais ça, Brésilien, même nous, toujours appelé les Brésiliens, nous. Ouais. Et il y en a fait en fleurs actuellement, là. Il y a la quantité de fleurs, Nena, là, hein. Hein? Comment on appelle ça, puis quand on gagne? Qu'est-ce qu'elle dit, là? Là, elle est bon pour manger, là. Hein? Là, elle est bon, là. Ben oui. Coupe hein. De petits. Mais casse, là, prends des petits, ouais. Et si on l'a gali dans le zandou, il dit lui, il ne ferait pas bon. Ah, maman, elle fait coupe ça. Hein. Elle finit un peu de dire. Elle finit mieux. Finit mieux. Ben, elle n'a plus tant de temps. Non, la gaille, il va repousser même lui. Ben, il faut mieux retirer. Il repousse lui. Là, elle est bon. Là, pas bon. Ah, devant là, elle est bon. La colle est moulue. Ça peut-être. Non. Il est bien avancé lui. Mais dis-toi comme ça, si vous mettez de la viande, n'est pas grave, même si elle finit un peu avancée. Daniel, dis-moi ça. Elle dit ça, il mange, même s'il fait un petit peu dur, il mange. Hein. Il n'a pas besoin de tonne. Il a gagné quoi. On a mis un autre jour, non? T'as les 4 tonnes carrés, non? Créole, il m'a inventé, mais il ne faut pas trop inventer, moi. Là, je suis ouvert, nous pouvons couper des 3 poids de pied paillater avec. Poids de paillater? Avec les cochons, nous mélangeons, nous faisons un petit peu casser. Hein. C'est ça, tri, ça. Ça dit rien, ça dit, elle a fait la cuisine, ça dit. Hein? Prochaine fois, elle fait un peu bras de mouroum aussi, hein, parce que bras de mouroum aussi, il y en a un peu ici. Hein? Ah oui, il aime ça. Oui. Ah, bras de mouroum, c'est mon affaire, ça. Ben, les bons, le complet là. Allez, ben, piment, Nena, les bons, la fin prend là-bas. Nena, piment, il y a là, mais la fin prend aussi piment là-bas. Hein? Des jambes, Nena. Des jambes, Nena aussi là-bas. Oh, toutes les bons. Ben, allons, allons. Hein? Hé, hey, Calice, regarde ça. Vous connaissez ça où? C'est pas où? Ça, on a des épines dessus, hein. Donc il faut faire attention. Hein. Mais ça, c'est coton midi.
c'est un autre système de cotomili, un autre plante. Ben le mettre dans le sauce piment là. Mettre dans le sauce piment. Peut-être tu peux. Mais peut-être tu peux faire attention comment il coupe. Parce qu'il y a des petits épines dessus. Pas trop dur. La crase, allez. Crase, allez. Comme ça, les épines là, allez. Un coton midi à épines. Première fois, mais vois ça. Mais moi, quand Daniel amène ça ici, là, il me dit, ben, Daniel, ça, c'est un coton midi, il ressemble pas à coton midi. Elle dit, oui, ça, coton midi, ça, il faut prendre les feuilles de dessous, là. On voit bonne feuille, là. Ah, hein? D'accord. Ouais, peut-être il vient comme ça, il a pas. Voilà, oh. Voilà, bonne feuille, là. Ça, son feuille. Ça, son feuille, ben. Ben, il doit être bon pour manger, là. Ben. On l'a juste pour le déli. Voilà, prends les trois feuilles comme ça, nous va essayer. Essaye de le rougail, là. Eh bien, incroyable, donc, la première fois, mais voilà. Première fois, on voit ça. Ben, moi aussi, première fois, mais on a vieilli. Maintenant, on a un bon petit peu, hein. La quantité d'y a planté. On a un bon petit peu y a planté, là. Mais bon, la feuille, là, Jean-Claude. Hein? La feuille, là, bon, okay, là. Oui, la feuille, là. Bon, j'ai la jambe, là, encore sur la terre, hein. Ah, tiens un petit bout de frais, moi. Pour prendre un petit bout de frais. Ouais. Un petit bout de cette frais. Quatre épices, pas besoin. Ah, puis la gaine de la morue. Dans la morue? Ben. Hein. La gaine, tu fais. Un petit feuille, quatre épices. Quatre épices, là, en fleurs, là. Faut s'arriver. Le des girofle, le des poivre, tout. Ah, t'es un bon odeur, hein. Ben, quand il y a 4 épices, là. Hein? Pas monter, Bougla dit ça. Pas monter. Pas monter. Bon, ben, elle est bonne, ça va alors? Allez, la ferme portail. Allez, à où m'a fermé? Hein? Allez, à où m'a fermé portail, moi. Allez. Voilà, ce qu'il faut là. Toute variété là, non? Voilà. Ben. Boulot fleur, pas besoin de l'oignon, quatre épices. Coton midi différent que les autres coton midi. Quatre feuilles coton midi. Bon, allez là. Ils sont même. Ils sont forts. Gagné aussi. Cresson gagné. Ben là, tu fais là. Petits oignons pour faire au gars boisel. Ouais. Complet. Complet. Complet, alors. Ben, allez, bon, ben, allons, allez. Alors, parce que j'ai un coco avec François, la fin d'arrivée aussi là. Ben. Hein? Allons, ben, un petit qu'est-ce qui se passe? Moi, je viens manger. Hein? Là, on a dû manger? Et c'est pas cuit! Oh là là! C'est que ça? Mais d'habitude, vous n'êtes pas aspect à cuit, vous êtes comme ça, la route même? Là, on connaît, ben. Le midi. Le midi, nous vient pour aspect à cuit. Voilà, les rats nous font la cuisine le midi. Le midi, hein? Ouais. Non, puis nous, on devait aller manger, bord de mer là-bas, mais il paraît maintenant la fermée. La fermée, bord de mer aussi? Il paraît, bord de mer à la mitage, il paraît, il s'est pu manger. Il s'est pu manger? Non, mais d'une dinania ici. Mais bon, alors, François, vous connaissez que ça n'a pas fait que ça. Vous faites cuire aujourd'hui alors? Non, mais je ne connais pas, moi, mais on dirait qu'on a un bon peu légumes en tout cas. Hein? N'a jusqu'à légumes en tol. Légumes en tol? Ben. Oui, on a légumes en tol. Hein? Alors, vous prenez légumes en tol? Mamie découvre aussi. Légumes à partir de prison. En tol. En tol, la bataille en tol. C'est donc une spécialité ça alors? Non, ça c'est bien. Non, ça. C'est pas dit. Ça, le goût. À nous, le goût pays, nous. Le goût créole. Ça, le goût d'oreille, ça. Les pauvres, François, ou comme mes oreilles, ou peut manger ça. Moi, les comme mes oreilles, mais il ne veut pas dire mange. Mais il ne veut pas dire mes manges oreilles. Mais bah, moi, pas rien contre les oreilles, moi, mais vraiment rien. Hein. J'espère. Non. Mais mon famille, moi, descendant d'oreilles, moi. D'ailleurs, il remarque. Mais tu n'arrêtes pas les oreilles créoles, balba, chinois, cafou, ça. Là. Mais, ça, c'est pas le peuple brignolé, ça? Ça, même le peuple brignolé. Ça, même le peuple. Le malba de sa famille? Peut-être. Qui sait quoi? Si, Jean-Claude. Jean-Claude. Le seul qu'on fréquente, mais voilà. Enfin, pas le seul, mais. Voilà, le meilleur. Le meilleur. Le plus, voilà. Le plus meilleur. Ouais. Le plus meilleur. Bon, alors on ouvre le boîte alors. Hein. On ouvre le boîte. Allez, ben écoute, Franck est toujours à l'ail. Toujours pour parler. Tu fais un bon petit peu là. Oui, nous prendre notre temps, tranquille. Moi, j'ai trouvé une technique maintenant pour plus l'ail. Moi, mes trappes, allez, mes lags dans le pilon ou le calou, mes pâtes des côtés, mes attires, mes côté. Et quand tout ça l'a fini, l'ami des écorces, allez, après, on enlève le petit paille après. On va essayer un petit coup d'instant. Un instant, on essaye alors. Ouais, on essaye, allez. Mais bon, alors, ok. Calix, ça gagne un bon petit peu. Cresson, ça? Oui, ça c'est cresson, machin. Et ça, vous connaissez quoi? Ça. Ça senti, dis-moi. C'est quoi? Casse un petit coup. Coriandre. Oui, c'est coton midi.
mais en mode comme faille épinard. Ouais. Ouais. Donc, et bientôt, ouais. Nous acheter la boîte pour mettre dedans. Voilà. Vous l'avez, Franck? L'impressionneur, hein, vu Cotomilly comme ça. Parce que regarde, là, nous achetons Cotomilly aussi, là. Regarde Cotomilly. Le vrai Cotomilly. Il s'empinaise vraiment. Il s'empinaise. Il s'empinaise. Ça sent bien, hein. Nettoyer automatiquement. Ben, soulier VNI, hein. Ben. Encore, tu m'avais soulier coulé là comme ça longtemps. Ben, dis donc. Hein? T'es fait un style, hein? T'es style, parce que quand on met un petit vêtement un peu baise là, on met ça en bas là, il fait. Fait classe. Ah, ça, c'est rien plus sorti, ça. Ça sorti. Ben, ouais, ça, il travaille pas d'un, connais ça. Ben, peut-être 5 minutes. 5 minutes, tu es là alors. Sinon, comment il les emploie? Ça va. Il paraît résolu, ça fait épinards. Qualifié, ça c'est pas un plat créole, ça commence et puis là arrive la Réunion, il connaît pas. Non, mais il a le bras de la Réunion. Il a le bras de Sepina. Il a le bras de Sepina la Réunion. Faut pas y amener ça. Non, problème là, il faut pas nous l'en contradictoire nous-mêmes. Bernard, goût créole. Non, mais goût pays. Au fait, ma pas fini ma phrase. Laisse, là j'en descends. Au fait, là, on connaît des fois là. Là, nous ne fait pas pour bonne marmaille, nous ne fait pas une cuisine. Enfin, là, nous fait un petit bread, y compris un bread même, parce que les oreilles. Métropolitain, même l'immense, on ne pas ça souvent, lui, nous-mêmes, l'immense, plutôt plus bread droit. D'accord? Donc, nous, on a fait ça là. Fait montre que le métropolitain, que nous connaissons que c'est les Vidiens, les épinards, nous, qui a vécu ici. Et pourquoi tu m'as acheté en bois? Les plus rapides, parce que les plus rapides pour nous manger. Mettez un Z devant eux, là. Avec des épinards? Des épinards à la Réunion, bois de manioc. Vous voyez ça, hein, oui, on connaît. Il mélange avec bois de manioc, connaît. Il mélange aussi avec bois de manioc. Il mélange avec bois de manioc. Il est comme ça. Ah, ben. Et là, comment ça fait à l'italien? Là, il se fait aller avec piment. Oui, et il aussi mon épices, piment, l'ail, gingembre, comme d'habitude, pour un bread. Ah, et après, ben, mettez un bon petit peu de piment, parce qu'on mange bien avec piment, parce que les plis bons. Ben, et les abos, il est pareil, au fait, ma fille mange, il est pareil, un peu. Bread sons. Le goût est pareil, il est bon, hein, en boîte, hein. Ben, il est super, hein. Par contre, il est là, il en profite. Hein. Il fait un petit bonjour à les peintres de Saint-Benoît, hein, grand cheveux. Ah bon? Ben, avoir connaître à moi ça, tous les matins, tout le monde, il m'a fait un petit bonjour pour vous. Et il m'a dit, c'est 4 oignons, ah ouais, un coup, fait la cuisine. Mais bon? D'accord, alors, Franck, autant de coupes gros oignons, là. Hein? C'est pareil, ben. Ah ouais. Alors, il ne faut pas les pareils coupes petits oignons, enfin, là, alors. Il ne faut pas les faire. Ah bon? Pas impeccable. Les bons. Non, encore. Et où tes enduits coupent bien, décharmé du tout. Mais pour l'instant, parce que moi, là, ça y est un petit peu raide. Mais ça, j'essaie de garder si le sel n'a plus trop. Mais il fait fouetter tout de suite. Tu peux revenir à Lila un instant. Voilà. Après, il fait des enduits sans casser normalement. Mais il est difficile, hein. Là, ouais, mais coupe pas trop petit hein. Esprit. Ah ouais? Au moins. Et là, il paraît un vrai saucisson, hier. Ben, elles ont deux, c'est un saucisson. Hein. C'est un saucisson aussi. Il n'est pas très assez compressé, mais ben, comprimé. Voilà. Ouais, mais bon. Voilà. Et est-ce que celle-là aussi sera pareil? Ça, là, ouais. Parce que là, vous connaissez le zandouille, là. Une fois que. Quand on l'a mis dans le marmite, tout le fait bouillir droite, là. Il ne doit plus casser, lui. C'est comme quand il fait un coude, ben il est comme plastique quand on chauffe pour faire plomb. Oui. Regarde ça, il y a vraiment des tranches de saucisson. Hein? Ben. Ah, mais en douille, quand on tire comme ça, il aime bien. Mais on essaye. Hein? On essaye. Ben. Ah, ouais, celle-là aussi est dure. C'est plaisir. Oh. Voilà. C'est la qualité de zandouille aussi, non? La qualité. La qualité, la qualité aussi, est importante. Ça, on l'a acheté chez Super U. Alors, Ça, c'est pas la tripe, ça, Jean-Claude? Ça, c'est la viande, maman, il graine. Hein? Il graine. Bon. S'il n'est pas salé, mais ses yeux dans l'huile, il reste pareil. Ah ouais. Là, on a essayé. Les bons, on a essayé. Après, on a la nostalgie, là, non? Ils ont dit, mais ouais, vraiment, la morée, fabrication. Mais je suis en France depuis des semaines pour commander riz du tout. Ah là, mais il veut manger un petit peu de riz, mais manger un peu au gars, maintenant. Hein?
Quand on dit moi comme ça, et ça fait aux gars enduits, ils disent, ah, mais il est bon, là. Non, ça n'est plus la chance. Ben, on a beaucoup la chance. Mais coupe pas trop mince, on appelle les graines. Ouais, 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 exactement. Ben, on a assez pour nous toutes, là. Hein? On a pour manger, là. On a pour manger. Une trappe militaire, maintenant. Là, on a des petits grains de piment. Oui. Hein? Comme d'habitude, des petits grains. De gousses l'ail. Oui. Hein? Un petit peu de sel, un petit bout de gingembre. Après, moi, elle avait un petit peu de cotomille. On va prendre des petits bois à mettre dedans. Ouais, ouais. Hein? Hein? C'est tout. Et ça, ce gros piment-là, maintenant, c'est comment qu'elle a fini, mais ça pose des décis comme avant. Tu en as un petit peu ensemble. Tu avais un petit goût excellent. Hein? D'accord. Le feu retourne, on a mis un petit peu. Au moins, il n'y a pas ce goût direct. Là, on a un petit peu le goût. Le bon cotomille, bon, là. Oh, le morceau cotomidi. Oh, le pas vu cotomidi ou bah, ça, c'est cotomidi, ça, oui, vous connaissez. Vous connaissez. Oui, c'est ça, là, le grand, là, un autre modèle, oui. Voilà. Et joli, hélas, hein. Mais seulement là, allez sans nous, oui. Allez sans nous, ça va. Le cotomidi, là, allez. Oh, hein? Ouais, ouais. Parle au goût. Au goût, les habitants. C'est différent, hein? Le différent. Ça, c'est quelle l'origine, quoi, ça? Mais connais pas. Hein. La Réunion? Non. La Réunion, non, ça. Si à un moment donné, les oiseaux sortent de haut, là, gingrèche, donc. Elle va loin, alors. Hein. Ah, vous avez voyagé, après là. Vous faites pareil longtemps, là. Il y a même le message. Peut-être la dépense des messages, pourquoi trouver des. Ah, ouais, dépense des messages. Calix, t'es poète, ou monsieur. Calix, toi, t'as pas dépensé un petit bébé. Parce que les oiseaux dépensent bébé d'un coup, quoi. Hein? Les oiseaux dépensent bébé d'un coup. Oui, beaucoup sauf que ça, oui. Ah, ben, je ne connais pas, moi. J'ai soigné que finalement d'un coup. Oui, un bébé fait, il faut soigner. Ah, ben oui. Ouais. Bonne cigogne. Ben, ah oui, oui, oui. Est-ce qu'on n'est pas saïcien? Mais ça, imagine, on est saïcité. Les belles enfants, Franck, les mêmes la case. Ou bien la même case. Ou bien les soigner, Franck. Hein? Bon, il est veillé à où? Faut un couleur à tomate ou alors? Oui. Hein? Ouais. Mais en, okay, bon. Mais en épinards, même en boîte, la fine fait cuit, sinon. La fine fait cuit, ben. En boîte, la fine cuit. Ça, c'est pour nous, pour moi. Vas-y. Voilà. Mamie, elle m'a dit bien, mais par contre. Hein? Hein. Parce que des ans, pour les rôles de l'obrette, il faut les batailles pour rôder pour voir si les noms. Ouais. On dit quand même des ans en boîte, c'est bon. Maintenant, on aurait dû mettre brin de manioc pareil en boîte, sûr qu'on a besoin. Mais les noms brin de manioc aussi. En boîte aussi? Oui. Mais il est loin, maintenant, non? Mais les noms, pas loin, on n'a jamais fait attention parce qu'on n'aime pas trop boîte de manioc dehors. Ben, nana en boîte. Mais seulement là, comme nana le pied, la caille, donc nous, on ne rate pas en boîte, tu vois. Oui, voilà. Ben, mais, nana en boîte pour mes nouvelles. Hein. Jamais connu, pour mes nouvelles. Tu t'en fais là en boîte, tout maintenant. Ah bon ben. Mais bientôt, le boîte, ça disparaît, là, on ne connaît pas quoi. Hein. Pour l'environnement. Ça fait revenir, allez. On est après il y a un petit peu de l'huile, tiens. Ouais, et puis après, il y a un petit peu aussi, pas trop grave. Hein. Ben, mais ça, essayer parce que les plus jolis, quand comme ça. Ah, oui, bah, ouais. Mais si la fanée, la fanée. Ah, oui, c'est la fanée, hein. Pas nous le terre. La morue, là, dessalée, il y a un petit coup. Là, lave un petit coup, là, entre temps, la morue, après. Fini la fine laver, la deuxième l'eau, il y a. Hein. La deuxième l'eau, là, bah, il est bon. C'est bon. Pour que ça aille doucement comme ça, ben, pour se revenir à bien. Disons comme si tu m'as fait un poisson. Hein. Et d'ailleurs, le soin. Et là, qu'on va mélanger à la nuit. Oui, mais ça, c'est quoi, là, il doit être doucement, doucement, alors. Essayez. Bon. Bon. Ouais. Tu dois faire, faut essayer. Ben. Mais là, tu veux bien. Non, parce que là, dans la poisse, c'est la truite. Ouais. Il y a beaucoup de viande. La viande, elle ne colle pas, lui. Quand c'est la très petite qui compte pas, quoi, regarde là. Tu vois comment je vais. Il a fait la veille dans l'huile comme ça, mais il a fait un beau cuir. 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 Des fois, besoin de mettre un peu de savon, on a fait comme ça, on a mettre dedans, un peu de poids, plus joli, non? D'accord. Hein? Comment on fait ça là? À la tête là. Ah, d'accord. Comment il faut pas la même qu'on boit de l'eau dedans? Ben, hein? Comme on gaz longtemps. Gaz longtemps, hein? Ben. Voilà, bon. On a tout le monde, mon coup. Ouais. On a ces verres, tout ça. Au moins, ça ne casse pas. Et si, ça ne casse pas. Je vais rajouter là. Hein. Ben, on va mettre un petit peu d'oignon, un petit peu de safran. Ouais. Le thym. Le thym.
Il faut m'y faire cuire, aller encore. On va mettre un peu de l'eau encore. Hein. M'y faire livre du hachis. Il dit avec sauce épices. Ben. Hein, les épices dedans. Safran, moi. Le thym, les oignons. Ben. Après, m'y complète les autres épices tout à l'heure. D'accord, alors. Là, c'est une autre technique, ça. Montez qu'un kilo. Il vient pas écraser, moi. Ah, ou pas aussi, j'ai plus jamais des directs. Après, pas aussi, après. Reste. Ça, c'est un roucaille. Comment on fait pour que ça l'arrivée Calix? Non, Coco, tu as dit l'arrivée de nettoyer bois. Elle a pour gagner le temps. Bien, Coco. Attends, maman, tu as dit après, il va faire. Ah bon? Alors, Coco, je vais regarder comment nettoyer la brèche, technique. La technique, voilà. Comme si tu voulais pas nettoyer brèche. Un gel comme là, il y a une technique pour nettoyer. Voilà. Après, je vais dire, moi, si ma peau dit une affaire où tu es collé. D'accord. Parce que là, mais où tu s'attrapes ça, zécli par zécli. Pas bon. Okay, après, ben c'est pour ça que tu as Claude dit. Après, un petit peu d'éclus dedans, ça fait le charme. C'est comme ça. Mais où est-ce que ça arrive? Ça peut la mourir, ça. Ça peut la mourir, ça. Ça peut la mourir. Elle nous revient après. Là, hein. Voilà. Alors, hein. Alors, hein. Alors il on va expliquer un moment. Il faut l'aider en deux comme ça, là. Oui. Seulement, on ne la met tous pas la peau dessus, moi, là. Hein. D'accord. Après, vous verrez. Bon, alors, comment on fait là? Oui. Alors, Claude. On va dire, moi, on veut manger au gars boisé, on ne veut pas trop baptiser que les noix dedans. Oui. Il faut en aller en deux. Et après, on prend un petit cuillère. Pour plus, ça y en dedans. Ben, là. Voilà. Là, on lève, allez. Mais il faut prendre une fourchette parce qu'il est extrêmement chaud, là, non? Non, ça pisse. Coco, maintenant, comment il faut faire, là? Voilà. Ah, quoi, parce que tu fais autrement. Ben, moi, m'y enlever la peau, comme ça. Et là, lui coupe en deux, lui. Lui fend la bringelle. Ça, il dit ça, ça perd l'air. Ça perd l'air parce qu'il avait l'air de là. Yao Coco, viens faire. Et là, on gagne en temps comme ça. Ah oui, et où bon, elle est propre. Et où on ne peut pas du tout la peau noire dessus. Non. Et là, on met tout, là, le grain, tout. Mais le grain aussi, il mange, non? Le grain est cuit, là. Yao. Ok, allez, on va essayer. Vends pas mon cachet. Hein? Vends pas mon cachet, Coco. François, ce qu'il vend, ou vends pas, ouais. Waouh, on a vu ça. Jean-Claude, comment on tient ça? Mais comment on tient ça? Sans la peau, hein? Comment on râle ça? Elle est chaude, hein, Coco? Hein? Bon, regarde aussi, tu fais ça comme ça? Ben, non, pas vraiment. Ben, l'ami apprend la technique, impeccable. Ouais. Ouais. Assez facile, petite cuillère, hein? Petite cuillère et. Et l'orac dedans, hein? Voilà. Ben voilà. Donc ça rajoute des épices là. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Mais c'est encore les fins secs. Ouais. De l'huile limon. La mis mettre ça épices. Mettre épices, hein. Bien là, les pâtes sont bonnes, elles sont là. Hein. Ah ouais. Tu vois où tes épices sont là. Les bonnes épices sont là. Tout est prêt. Et attends. Ou attends le tour. Et attends mon retour. Au feu. Ou attends le feu. Maman, tu as des petits bons. Moi, fais un peu joli ici, ouais. Bien, fais joli, ouais. Alors qu'Alex, la mourie, moi, la vue, elle fait nettoyer, elle la tire dedans. Là, ça fait fumer, elle est fumée, là. Oui, ça fait aller. Votre bosse n'est pas bon, vous voulez manger un mourir sans tomate. Il sort une semaine en France, il vient d'arriver. Pourquoi puis tomate, là? Tomate, il ne connaît plus rien, moi, là. Non, mais dis un petit, même dis au moins pour décoller le fond. Un petit. Décoller le fond. Il est bon. Après, il fait une manière où il avait habitué de manger. Il est bon. Ouais, bon, mon nom, on t'a fait ça. Bon, mon nom, on t'a fait ça. Et mon petit village est prêt. Ben. Il y a là, il connaît. Il y a là, il connaît. Le soleil, il faut bien. Là, il a le goût brûlé. Le goût brûlé, alors. Là, il a un petit paille. Laisse-y. On veut pas une fourchette plutôt? Allez, Coco, on a dit un petit paille dedans, il faut laisser un petit paille. Oui, donne le goût. Donne le goût. Oui. Bien, non, que ça arrive, non. Pourquoi on a une lunette noire, on l'a senti? Non, ben, ma. Ah, non. La soleil, hein? Les rats nous font la cuisine la journée. Hein, ah, d'accord. Ouais. Les rats nous font la cuisine la journée. Mais bien sûr, n'est-ce pas ma cocotte? C'est très rare. C'est très rare. Oui. Ou les plus éclairés, là? Ben oui, mais les moins noirs, peut-être. Oui, les moins noirs. Comme où? Il fallait vous mettre une lunette noire. Parce que vous avez une lunette sur la tête, l'autre lunette dans la main, et où la peau dedans? Non, ma nana, mais je ne mets pas. Après, il fait dentelle, mettez les lunettes sur la tête. Lunettes, mettez sur les yeux. Ne mettez pas sur la tête. Non. Hein? Monsieur Sangara dit, fais un morceau dessus. Mais quoi sont tes morceaux pour moi? Lunettes la tête.
Vous jamais vu Monsieur Sangara chanter Lynette la tête? Non, c'est quoi sa chanson? Pas du tout, alors que c'est dit dans... Il chante ce morceau-là. Et en passant, lui fais un petit coucou à Colette de Saint-André. Colette, elle dit à moi, elle garde à nous toujours avec plaisir, hein, parce que ben, elle nous donne aussi du plaisir, hein, forcément. Donc voilà, ben, fais un gros bisou à Colette et à toute la bande d'amis que à chaque fois, ils vont vraiment faire un petit mot comme ça. Donc bisous à toute ma maille. Ah, mais profite, il est là pour dire un peu bande de monde. Bien sûr. Et filme pas trop près. Attends, les sérieux, ça nous a dit. Oui, bien sûr. Ben, regarde-nous le soir à 20h. Oui. Là, hein. Il y en a un, deux personnes, hein. Mais un, deux seulement. Elle a dit comme ça, nous fait beaucoup de rediffusions le soir. Mais il faut dire qu'à 20h, c'est que des rediffusions. Vous allez voir la cuisine de la semaine, c'est toutes les jouets de la semaine. Voilà. Hein. Et puis la cuisine de la semaine redeviendra en rediffusion à 20h un mois plus tard. Exactement. Donc maman, il ne perd pas la carte en rediffusion. Ben malheureusement, c'est ou heureusement, c'est les émissions que l'a passé, il repasse les. Vous n'êtes pas content? Alors ça, ça l'a pas vu, il a l'occasion de revoir. Ben voilà. Et puis c'est l'occasion de revoir des recettes un peu spéciales, voilà. Autres, etc. Parce que n'est pas tout le monde qui garde en même temps, ouais. Bien donc, sûr. Voilà, on s'adapte. À 20h, les émissions de cuisine, c'est que les rediffusions. Tout à fait. On c'est s'adapte. Pas les nouvelles émissions. Voilà. 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 Ben voilà, là c'est dit. Ben. Oui, voilà, elle est dit. Mais je pense que ben, là, t'es confine pour comprendre. Hein. Pas toutes. Mais elle peut l'écrire. Moi, cette semaine, elle ne comprend pas. C'est vrai? Oui, mais l'explique à gentiment. Ben après, voilà. Dis-moi merci beaucoup et bravo pour ce que tu fais. On va même faire un gros bisou au passage. Voilà. Voilà. Hein. Allez, nous retrouvons alors. Hein. Écoute, ça, on doit le faire pour coco. C'est quoi ça? Ça, c'est. On met un peu de sel dans le gaille branchée. Et après, avec un peu d'oignon vert. Un peu d'oignon vert. Et après, les oignons et piment. Les oignons et piment. Et un peu de vinaigre. Vinaigre. Hein, il m'a dit comme ça dans mon introduction au départ. Hein, qu'avec un petit peu de citron, il était meilleur que le vinaigre encore. Ben et c'est oui, pour ça mais... que là, là, on va la mettre des citrons, t'es là, on l'a pas vu, t'as même moi, t'as un gars de citron, on va la mettre, t'es là. Ah. Mais t'es même fin, coupé un morceau, tout esprit pour ça. Hein, Bernard, avec le citron, est meilleur, hein. Le voilà, goût n'est pas pareil, hein. Le goût n'est pas pareil, Coco. Ben oui, hein, le citron est meilleur, ah, oui. C'est presque à la limite un produit chimique. Chimique, exactement. Pour, presque à la limite, hein. Citron, pays. Voilà, hein. Hein, les chimiques? C'est chimique, mais après il faut pas trop parler. Voilà, hein, et utilise vinaigre ou bien citron? Ah, mamie aime bien utiliser deux, moi. Les deux? Bien sûr. Quand le point, citron? Il dépanne, bien sûr. Il dépanne, hein, bien sûr. Voilà, voilà. Hein. Là, il manque les petits oignons avec le piment dedans. Après, voilà. Le noir. Et... il liche le doigt. Et comment on dit ça? Liche le doigt. Liche? Liche. On parle allemand? Ben, ich lebe dich. Julie réagit à toutes affaires au quart de tour, lien. Hein. Allez, au quart de tour, lien. On soit avec son verre, banne les oreilles à l'écoute ici, d'accord? Pas l'allemand? Non, uniquement sous la torture. Uniquement sous la torture. Uniquement sous la torture. Ouais. Non, non, moi. Voilà, il liche le doigt, hein? Oui, il liche le doigt. Il liche qui ça? Ich lebe dich. C'était qui bidiche? Ben, d'allemand va comprendre. Ah bon, d'accord, alors, ok. Alors, Coco, il manque un petit peu de sel? Il manque un petit peu de sel. Ouais. Donc, là-dedans, dans le brinjel. Demain. Hein? Demain, oui, à demain. Coco, comme il est demain, on va dire que ça s'attait. Oui, donc, dans ce brinjel, un petit peu d'oignon vert, un petit peu de sel. Il manque d'oignons. D'oignons. Piment et citron. Et c'est tout, c'est que tout. Ça. Voilà. Hein? Ils rajoutent pas un petit peu de safran pour le colorant, j'en ai un petit peu de jaune, non? Non. Ils mettent pas safran dans le bois de Mourou. Non, non. Et ils mettent pas safran dans le rougail brinjal? Ils mettent pas safran dans le rougail brinjal? Non. Mettez safran aussi partout, mais pas dans le rougail brinjal. Pas dans le rougail brinjal alors? Non. Non. Folie les blancs, ça c'est comme un palmis. Et dans le rougail zandou, ils mettent? Safran, ouais. Oui. Ah bon, un peu mettre, un peu mettre. Ouais. Et alors, explique-moi, ouais, quelle différence entre un rougail et un carré alors? Moi, je pensais que c'était le dénominateur commun, c'était le safran. Mais un, ils mettent pas, l'autre, ils mettent. Oui, ben moi, ils mettent tout le temps. C'est quoi? C'est un carré. Ouais. Carré. Ouais. Ben. Bon. Après, le boisel, là. Ouais. Et Coco, écoute ça, le boisel, là. Coco, allez pas là-dedans, allez pas, viens ici, il y a besoin de causer couillard. Il faut aller à la manière palmis. Vous voulez que boisel, il reste blanc? Vous mettez un petit peu de vinaigre ou citron. Avant. Voilà, c'est ça. Avant, ouais. Vous mettez tout le sel fin. Après, là, il y a de l'autre. Là, reste bien blanc quand même. Hein. Ah oui. Là, il est blanc. Là, il est blanc. Ça, voilà. Ça de là, non, hein. Ça de là, paraît blanc, hein. Ouais, n'est-il pas. Julie, oui. Un côté, c'est malbar, l'autre, c'est créole. Ben, le mélange est magnifique. Voilà, mais on n'a pas voulu mettre de noix dedans, hein. Elle dit, pas de noix, ah, si, nous voilà, un petit. Mais maman, tu l'as dit, bah, noix, tu étais minoritaire. Arrêtez n'importe quoi, ouais. Oui, on regarde la mettre avec un petit morceau.
Là, regarde là. Parce qu'à mort des brins, j'ai la miam, moi, qu'elle a un petit peu noir dedans. Eh bien, non ? Oui, un peu ? Ah, miam, moi. Qu'elle a un petit peu noir dedans. Au moins, comme ça, il colore. Elle est un petit peu, hein ? Ben, le vert, il faut colorer. Ah, avec le vert, il colore. Mais je dis, il est coloré aujourd'hui. Tout à fait, vert, ça passe. Ça met piment dedans, non ? Ça met piment dedans, là. Ah, voilà, c'est ça. Manque les oignons. Oui, Calix, qu'est-ce que tu manges ? Ça, c'est face cachée, ça. Mettre un petit peu le noir pour les affaires. Quand plus t'as toujours le noir, il tombe dedans. Pour trouver un motif du monde, ben, mais il aime le noir. Oui, il aime le noir, même. Ben, oui, on va pas tout le temps. Pas de le bon Hazel. Et nous, tous aujourd'hui, habillés en noir. Moi, habillé en noir. Et Franck aussi, habillé en noir. Ah, ouais, si. L'été noir, mais à force laver, la nuit. Ben, aussi en noir. Tout le noir et moi aussi l'en noir. Allez tout le temps au bord, la mer son linge la déteint, la sans couleur. Ben oui, tout le temps nous ça veille paillotte. Allez là. Écoute, fais place pour Bernard Créole. Bernard, fais place pour vous là. Quand même à ce côté. Là le mogou il commence à bouillir. Et pendant ce temps, le zandou, il bouille toujours dans son petit dos parce qu'il a fait cuire un petit peu. Hein? Laisse cuire comme ça. Ouais. Côté lui, il est cassé. Voilà. Et nous laissons comme ça. Après, nous mettons des pistolets. Il dit à côté, il y a tombé, il fait l'argent. Voilà. Tout ça, c'est les expressions, ça, bien. À côté, il y a tombé, il fait l'argent. Au fait, là, comme longtemps, pour qu'il y ait un terrain longtemps, là, pour d'avoir un terrain, il t'envoie un galet. Mmh. Ça, le galet, tu vas tomber là, le terrain là-haut. Il plante un pied. Sandelle. Sandelle, là. Ouais. Ça, c'est la bonne. Oui, oui. On recrute un peu. Marche tes terrains. Marche tes fautes, papa, on a gros bras, dans les épinards à manger, hein. Bah, revenez, gros bras. Il avait la force, hein. Il avait la force. Mais t'as le galet, il envoie le galet. Qui savait plus la force. Oh, barote. C'est pas un. Vous attaquez où, hein? Ah oui, parce qu'il est là. Et ça, vous faites ça sur un feu de gaz, là, hein? Vous faites ça sur un feu de gaz? Yes! Voilà, hein? Et vous voulez dire, moi, comme ça, il faut dire merci à Dine. Ouais, hein? Ben, on profite à la télé pour dire comme ça, ben, merci bien pour le petit voyage que nous avons fait à Maurice, là, que le Maurice avec lui. La vue dernièrement, l'émission, ouais. Hein. Et surtout, l'endroit où il est super, il fait beau, dans son. La vigie. La vigie, il est correct, tout correct, un petit bonjour à tout son personnel, un petit bonjour à tous. Et un bonjour à Asvin, Davina. Sa fille et son fils. D'accord. Et son père. Voilà. D'accord. Voilà. Et sa maman. Et sa maman aussi. Voilà, on n'a pas oublié sa maman. Voilà, hein? Voilà. Et la prochaine fois, si la créole a besoin d'aller en voyage à Maurice là-bas, allez, on c'est la vigie. Hein? En voyage organisé, tout ça, je va à la vigie. Et je t'y appelle, je vais dans un numéro. Hein? Et le numéro, c'est 06 92 36 87 00. Vous connaissez mon parquet, non? Mais à face téléphoner, nous connaissons pas. Je connais pas qui c'est. Mais bon, bien là, ok. Ça, c'est dit, bon, donc ça fout des épinards là, alors. Ben. Hein? Vous gagnez gros bras pour qu'au moins, si on va être galé, il gagne plus la terre. Voilà. Parce que longtemps, tu as envoyé un galé, après tu es au sol, le galet a tombé, la terre allait haut. Faut nous dire, Asvin, donne un peu d'épinards là-bas. Ah bon? Ben. Fais un peu d'épinards là-bas, les bons. Les bons là. Là, on se fait revenir là. Hein? Ah, l'huile est bizarre un peu, ouais. Hein? Parce que généralement, nous utilisons 4, mais là, je ne connais pas pourquoi ça va prendre celle-là. Mais pas grave. Allez, pas grave. Les choses. On commence par les oignons. Les oignons. Toujours, hein, comme d'habitude. Hein. On commence par les oignons. Par exemple, on connaît quand ils commencent avec tout, c'est quand on fait manger, par exemple, tout fait, là, on met tout dedans. Hein? On commence roussi, on commence par les épices. Hein? Les oignons. Mais la différence quand on roussit ou bien qu'on fait. Mais les dés, les bons. Les dés, le si bon. Les dés, le si bon. Parce qu'on appelle, ces épinards, là, hein, comme ça, en boîte, là. Hein. Et quand ils arrivent tout dedans, les épices, le sel, le poivre, les oignons, le tomate, le tout après la scie. Ouais. Oh, ouais. Mais à vous préférez revenir un petit peu, ouais. Moi les oignons, il m'a le temps de cuire un petit peu, voilà. De faire cuire les oignons. Voilà. Hein? Mettre un petit peu de tomate, il faut déglacer le fond des oignons là, après, le piment, l'ail. J'ai un jambon aussi, on va mettre un petit peu. Hein? Ouais. On va mettre un petit peu de jambon aussi. Et maman, il met un petit peu de cilon aussi dedans. Hein? Un petit peu de cilon là. Voilà. Il y a un petit goût comme. Sans rien. Du sang lire, du sang lire là. Ben. La couleur est jolie. Et puis, ben, là, voilà, le coup de poignet, hein. Hein? C'est ça qu'on a pas à prendre une bonne mauricienne là-bas, c'est Alvin, hein. Non, le coup de poignet, hein. Non, pas prendre mon chien, non. Mon chien connaît vécu, moi. Non, on va prendre la zone, c'est cuit la cuisine créole. Créole, voilà. Hein? Parce que la cuisine mauricienne, tu connais. On a connu des, ça, on va prendre à où normalement, hein. Voilà. Voilà. Hein? Voilà. Hein?
Et alors, banalé assidu. Hein? Banalé assidu, il écoute à où? Ah, banalé écoute. Ouais. Banalé est quand même très, très à l'écoute. Ouais. Et il capte vite. Ouais, ah ouais. Et puis, un hôtel qui reçoit beaucoup de créoles. Les créoles, ouais. Arrivent là, les premiers jours, les deuxième jours, les troisième jours, ils vont en créole. Lui. Ah oui, il faut un hôtel qui cuisine créole, c'est important, hein? Voilà. Ça m'a dit. C'est bon, hein? C'est bon, c'est bon. Allez, au miroir, allez, il y a mes gars, là, bien là. Hein? Et là, il y a pas un trappe, son. Épinards, voilà, là où là des épinards dedans. Les épinards, c'est un peu pareil, bref, tout le temps, hein. Ouais. Hein, voilà. Alors là, on mélange, allez bien, on laisse cuire. On a besoin de faire de l'eau, bien, on rajoute pas. Ah non, ouais. Peut-être qu'il faut, des glaces un petit peu, hein. Hein, voilà. Canix, c'est avant, si tu as fait là-bas. Ah, ça va. Ça va, hein. Ça va. C'est bon, là, ok. Louquet. Oui, Mani Louquet. Et ben, mon loukage, il est très intéressant. Parce que je constate que il est bien cuit, il est bien joli, il a de belles couleurs. Ah. Le loukage est donc. Comment on nous dit ça quand quelque chose est rentable? Est rentable. Bon, on va dire ça comme ça. Là. Le loukage est rentable. Le rentable? Oui. Le loukage, il est rentable. Moi, je connais quand on a une rente parce qu'il y a l'argent, parce qu'il a loué les trois la case. Ah ben écoute, Calix sont moi, Calix sont les rayons là-dessus. D'accord, mais faut aller à la case, moi je suis dehors. Julien, ton salier est dehors, il habite pas sur la case, il habite la case au monde. Ben c'est pour ça qu'il est causé que voyons. Moi comment besoin papier là. Il connaît où ça peut aller, il est bien mal là, c'est bien. Comment besoin papier là, pour l'administration là. Il faut demander faire un papier d'hébergement pour moi, elle est. J'héberge, mais c'est son homme. Ah, oula, Calix. Calix, c'est là. Comment tu crois? Il ne pas s'il faut croire, il ne faut pas croire. Non, mais aujourd'hui, c'est vendredi, tout est permis, voyons. Ah, d'accord. Alors, mais oui, quand l'émission il passe, pas forcément le vendredi. Mais c'est la rediffusion, Jean-Claude. La fête est temporelle, il faut pas. Ou la fin donner le principe de rediffusion. Donc, maman, il nous l'est vendredi, d'accord. Et quand tu regardes là, c'est en rediffusion. N'est-ce pas? Donc, nous pas forcément le vendredi quand ça tu vas regarder. Là, on connaît que il manque un bout de salé mettre là-dedans. On connaît ça, il met là-dedans. Mangue salé. Mangue salé. Mangue salé, pas salé, mangue salé. Rejoignons gros piment. Toutes les grandes là. Ben oui. La morue, les maigres. Faut d'ailleurs un peu de volume. Il y a un petit piment, les piques plus. Un gros piment, il est moins fort. Non, mais pas un gros piment, ouais. Bah, un petit piment. De toute façon, l'envers. Ah, aussi voilà. Un petit piment. Eh bien, là, on rajoute un petit peu de l'eau dedans. Et même parce que sinon, il va coller trop au fond. Il va coller trop au fond. Hein. Et puis, il va bien détailler. Voilà. Hein. Voilà. Et on a dit, vous ne faites plus la pub, on enlève l'étiquette sur le boîte. Voilà. Vous n'aurez dit ça depuis bonheur. On n'a pas pensé. Ah oui, mais tu ne connais pas si c'était un boîte d'épinards après. Il y a un mot gigose. Ouais, voilà. La différence entre un boîte d'épinards et un mot gigose. Hein. Ouais. Calix, Maurice, ça va bien? Ah, il est joli là. Là, il est belle comme quand il était dans l'eau. Là. Quand il était dans l'eau? Ben. Il est belle quand il était dans l'eau. Mais il y a un affaire d'oublier. Quoi, il est? Il y a un affaire d'oublier. Le petit lardon? Ouais. Après ça, oui, pas maintenant, non. Pas tout de suite ça. Attends, toi. Oignons ou la mettre en dalle. Oui. Mais le terrain là, on coupe pas ça du tout, là ça va. Non, après quand le grain là finit saper là. Hein, où tire le bronze? Le tise, mais tire mes ailes. Ah bon, d'accord. La mettre sur le feu, il y a. Voilà, hein. Donc, deux oignons avec le thym, hein, pour l'instant. Oui. Hein. Là, il arrive là. Là, il arrive là. Hein? Un safran. Un safran et sans épices. Un cuillère tomate. Un cuillère tomate. Juste pour décoller. La fin dit, mais t'as pas tomate, ou avec rajouté tomate? Non, juste pour décoller le fromage. Mais pas trop, moi comme ça va laisser un peu pour le zandouille. Ami, ça avec le safran. Oui. Ils mettent le safran aussi alors. Mettent pas. Hein? Si le pied a un rougail à la morue, il était un rougail à la morue sans tomate. Non, mettent. Calix est perdu. Calix, le parti prépare toutes les épices, il ne connaît pas où sont les épices, il est, ça rôde les épices. Ça rôde les épices, les épices sont loin. Il a remarqué, Canal Austral et Piment TV, là, il a bien levé. Regarde où, là. Que de là, là. Que de là, il trouve. Avant, t'es plat, toi. Maintenant, il est bombé. On arrête le sport. Ils mettent ça juste pour décoller. Des tomates seulement, juste dedans. Voilà.
La méthode, elle allait, aussi aller. Après, nous attaquons. Après, nous attaquons l'autre. Les bon, là, ok. Des petites tomates, la bille ou quoi? Eh, ils mettent pas piment dedans. Ah, ils mettent pas? Ils mettent diamant. Mais Coco, ils mangent pas piment, non? Mettent pas piment. Là, mettent après à côté. Mettent après. Mettent après. Mange dans le rougail, moiselle. Ouais, pas mange dans le rougail, moiselle. Là, il faut un ali, là, comme ça. Après, tu as même mettre un petit peu de l'eau. Puis, et puis ça, et le morou. Ouais. Faut le mettre à pied. Faut pas dans la sauce tout le monde. Pour la sauce, ça, le chiffon de l'huile là. Ouais, pour prendre l'huile, voilà. Hein. Voilà. Il est sec, sec même, hein. Ouais. Longtemps, on ne met pas l'argent pour ces oignons, on ne met pas l'argent pour ces tomates. Voilà, on s'est fait avec ce lavé. Ben, voilà. Donc tu fais la mourir avec cette lavé. Voilà. Aujourd'hui, nous faisons semblant de mettre pas de tomates dedans. Oui, voilà. Ouais. Bon, un petit coucou à Domoni Village, la montre à moi ça. Coco, monsieur, madame, la mode Jean-Claude fait la morue là comme ça. Mais bon là, ok. Ça aussi, j'ai pris pour avoir un peu de andouilles. Ah oui, là, il monte là, hein. Mettre l'oignon. Là où toi, là, où là? Ah, mais là, j'ai des comme ça, moi. La pète ensuite, crase? Je ne vais pas craser. La première là, j'ai un petit. Fais glisser dans l'huile là. Première là, j'ai un petit bout de l'eau. Ouais. Et là, les épices light, tout ça, on a encore pour rajouter ou là? Il vient là, alors. Ah oui, tout de suite. Il va aller là-bas tout de suite là. Mettre pas tout seulement. Et là, il a ça, il est bon pour le cœur, ça, donc là, de connaître. Il connaît, normalement, les conseillers, tous les matins, prend une gousse d'ail, mange cru. À jeun, tous les matins. Mais comme le zando, là, il s'en a fait les déserts qui sait. Ouais, ouais. Donc il ne faut pas trop d'épices dedans. Trop. Hein. Tomate, nous, on ne va pas mettre dedans. Ah, il vient aussi, alors. Le bon, d'accord, le bon, on m'a rien dit, alors. Voilà, le tomate, là. Et là, on profite de l'autre côté, là-bas, pour mettre là son gros fleur d'oignon dedans, voilà. Hein? Parce que le fleur d'oignon, là, on l'a fait en deux fois, un peu coupé en petit. Ça, c'est hein? Pour. Et un peu coupé en morue. Pour la morue. Pour la morue, voilà. Hein? Là. Donc, gazandu, donc on rajoute toute tomate là, oui. Petite, là. Comme il a un petit morceau de l'oignon là, n'est-ce pas? Voilà. Moi, il cuit avec. Voilà. Ah, voilà, tout avec. Voilà, moi, il cuit tout avec. Voilà. Parce que les oignons là, quand on peut dire. Ah, oui. Parce que si mon zandu, il le cuit, les oignons pas cuit. Ben là, va dire. On l'a fait manger pour l'hôpital, quoi. Voilà. Ça va, y'a, hein? Ça balance, il m'a pareil poisson. Ah, ou ça pas tout en aller alors, ça non. Balance à l'île, ça fait sa couillage gris là alors. Moi pas tout en aller. Ouais. On balance. Un morceau ramanisson, après nous balance. Ouais. Ah. Là. Mis les oignons là, cuit un peu. Ouais. Après, mis là un petit peu de l'eau. Ouais. Au moins la sauce avec la viande, les mélanges. Bon, après, il est bon, y'a. Après, non. Dans 10-15 minutes, nous mangeons. Hein? Oui, là, elle est cuit, là. Si elle n'est pas cuit, là, mais elle est cuit, puis. Si elle n'est pas cuit, on va y. Dans la main aussi, moi, j'ai pu survivre. Bon, maintenant, je vais donner un morceau, mais les sous, mon sapeau. Ça veut dire ça, hein. Non, monsieur, ils ont ça. Ah bon? Ben. Vous voyez pas, là, on ne peut pas, mais les oignons, le morceau, hein. Et là, on vient de trouver ça là, tout de suite. Bah. Eh ben, dis donc. Au pire. Les oignons, le faire. Ah, il y a comme là, tous les jolis. C'est mes autres là. Il y a ça, les jolis, là. Il y a que là même ou tout le. Franchement, encore, mais tu connais pas technique, là. Tu connais pas technique, là. Ouais. C'est ça. Moi, même avec Calix, ou apprends. Il y a point, mais tu connais pas technique, là. Il y en a, mais apprends avec vous, ou apprends avec moi. Oui, la cuisine, c'est ça. C'est ça. Mais apprends avec Mauricien, Mauricien apprend avec moi. Voilà. Et partage, les choses. Bien sûr. Mais ça, c'est bien nos petits voyages à Maurice dernièrement, nous toutes. Hein, Calix, Bernard, Eddy, Jamouin, t'es bien, pas mauvais, hein? Non, pas mauvais, hein? T'es bien. Hein? Bon, mais Milas, ça va là, hein? Il revient à l'état, il commence. T'as mis mettre de l'eau, Milas. Mettre de l'eau, pas la moi. Milas, c'est pas mal. Comme là, mettre de l'eau là. Si dans 10-15 minutes, tu manges là. C'est vraiment là. Tu es guiguine. Ben. Il a mouru là. La mouru, ça te connaît, la fille après là. Mouru, c'est lui là. Ça l'a un petit peu de l'eau, moi après. Aïe, papa. Faut mettre de l'eau? Tigre, l'eau, cuit ça, des oignons et pour dégraisser un petit peu en bas. On peut là un petit goût de vinaigre là-dedans, si vous voulez. Là où ça fait revenir les petits lardons. Les petits lardons. Dans les. Pour mettre dans le. Les andouilles. Dans les andouilles. Ben, le finaret fait l'andouille, c'est moi. Le finaret fait l'andouille là, alors. Okay. Bon, là, ok. Ben, là, mis des pauvres, allez. Laissez évaporer.
Voilà, on s'en dit. Et là, on rajoute vraiment au vernis alors. Hein. Ouais. Au moins, comme ça, on fait revenir à l'avant. Le goût, il reste. La gaille de la sauce là. La gaille de la sauce là. Nous laisse misoter un peu avec. Ouais, bon, il est bon. Pour cuire, il est cuit. On va croiser un temps, les sucres là. Ah ouais. Et bien là, regarde, moi, il veille, c'est la fesse à pire, il ramasse. T'es mes autres débés, Anna, là. T'es dans la concurrence tout le temps, ça, connais combien de temps nous connaissons, nous à m'entraîner à l'île d'équipe supporter. T'as un thème ou quatre, t'as un petit peu, mais sûrement, il était pas méchant, lui. Après, il a fait un bout de la case pour moi. Il a fait un bout de la case pour moi. Mais mal avant, il m'avait pris la case, t'es obligé de vendre. Tu regardes, il paye moi. T'as bon, il paye où? C'est pour ça que vous êtes découvert là. Regarde, la tente critique qu'on nous a fait hier. On connaît que ça, les jolines là. Il est comme il mettait un fait bétail, il les croisés tout en dedans. Un fait bétail. C'est ça, les croisés, Julien. Un bateau, un canot. Un bateau, un canot. Canot, ça. Alors, vous revenez, dit comme vous faites des pâtes carbonara et tout ça, hein? Voilà, c'est hein? Pareil. Il dit pâtes carbonara parce que si il va dire que là, il dit comme ça, papa, ça fait pâtes carbonara là? Allez, à chaque fois, il voilà, donc il vient de me dire comme ça, c'est pâtes carbonara. Mais ça, copie sur Bernard, la prochaine fois, baiser là, donc avec ses épinards. Est-ce que c'est des pinards? Pardon, des pinards, bien là, les bons gens! Faites-la, il y a succès, il y a la liste, hein, bébé, il y a la liste. François, abandonne les deux là en concurrence. Concurrence, ça concurrence. En concurrence tout le temps. Des mamans et l'école. Des mamans et l'école, oui. Pour aller quelques plus loin. Nani critique l'autre, l'autre, il critique l'autre, pas comme ça, il fait, l'autre, il fait. T'as pas des cousins, ça? Maman, des. Pas des cousins pour vous, pas cousins, autres. Ben, comment tu as un roi de Tchounouk fait trois cousins. La Maurice Zaron. La Maurice Zaron. Des cousins. Ah bon. Hein? Bon alors, Bernard. Ah, ça va là. Non, Calix. Bernard, Calix. Fait que vous avez bien la vie trop mal là. Et là, on va juste aller dedans comme ça. Hein? Ben, fini, terminé. Ben, fini, terminé. Hein? Fais élanguer. Là, il y a un grand feuille, il faut mettre sur la table, tu es là, ou la vie de riz. Mais là, de la moule à 6 personnes, mettre pas de l'eau de bois. Non, 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 mais même déjà où il fait joli, hein. Il fait imaginer l'eau. Belle, elle est belle. Regarde ça, comme les jolies, et on d'a là, hein. Eh, écoute, si nous te fais revenir un petit peu, guette, un peu de lac dedans, comme ça doit être bon, sinon. Il doit être bon, mais sûrement le style longtemps, là, vous connaissez pourquoi? Longtemps, il y avait un petit bout de gens, deux dans la case. Il y avait un petit bout de boucané. On mélange tout fin carré. Et ils ont encore des jolis vous et moi. Calix la rend ça, franchement, je ne connais pas si ça vous parle comme un joli gourmand. Alors, Calix, il invente des plats là, mon noir. Hein. Jean-Claude l'inventeur. Comment il appelle ça? Super. Jean-Claude est créateur de. Mais il n'est pas mauvais, pas content, Calix. Mais de mon longtemps, tu mélanges toutes les affaires. Julie, regarde ça, comment tu vois ça? Ah ben, m'y voit ça très bien. Hein? Comment râle ça où? Râle ça par contre. Comment râle ça où? M'y voit ça bien. J'ai dit râle ça dans le feuille. En tout cas, viens voir le chef-d'œuvre, parce que ça, chef-d'œuvre, ça... Ah, vous l'avez pas, toutes les pistes dedans. Toutes les pistes dedans, c'est où ça? Innovation. En tout cas, le carré joli. Hein. Très joli. Ah oui, impeccable. T'as l'air qu'on nous relève la robe du carré, on va voir que ça est là-dessous. On relève la robe du carré. Bon. C'est-à-dire qu'on regarde dedans, moi il est là où on dit il est bon. Fini, terminé, posé. Fini bon. Et voilà, ça peut lier un coup, encore. Ça c'est pareil, vous le faites ça pareil, carré poisson. Vous l'a pas mélangé du tout, la sacouillé seulement. Ah oui, oui, ma TV pas écrasée trop, mais la préserve 2-3 morceaux, mais pas toutes. Ah, pas toutes. Après le genre 2. Mais qu'on s'en la guerre, la fois que de survivants, on a aussi des morts. Ben, voilà. Ben. Enfin, ma TV pas trop morbide, mais. Oui, oui, oui. Ben. Après un chat, hein, là, on a un peu les morts en dedans. Ah, on a un peu écrasé. Là, mais déjà, on a toujours un poisson de perte. Un poisson? Il met tout. Un poisson. Bien. 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 Bon. Attends, fais-en, tu sais trouver. Allez, fais comme vous voulez. Mais un seul monde qui fait ça. Roulant. Non, non, mais connais, non. Mais connais un bug. Tu habitais côté la gendarmerie là. Roulant, là. Gros Roland. Ali, tu fais en doute, tu Non, mais connais un coup. De la main. Oui, Ali, tu fais en doute. Georges, là, tu m'en es.
camarade, nous, oui, station service total longtemps, oui. Hein, Saint-Paul. Putain, comment t'es mon son carisandouille. Crase pas. Ben, elle a fait un petit coucou à Jean-Paul. Ouais. Enfin, à Georges, Atumane, mon camarade. Voilà. Voilà. Non, ben, moi, un petit message de temps en temps sur Facebook, oui, oui, ben, oui. Mais son carisandouille, son carisandouille. Ben. Allez, il n'y a pas un safran dedans, c'est rouge, il est rouge, hein. Après ça, l'asile avait un bouquet préparé. Il y a plus de trucs dedans. Voilà. C'est ça le problème. Il y a quand même des voix seulement, il y a une monsieur là, je me dis, puis là, il y a un homme à Roland. Ah, ça, tu supportes, MJC, ça. Tu vois, franchement, Gros Roland. Gros Roland de la main. Voilà, un petit coucou à lui alors. Coucou en l'air. Ah, coucou en l'air, excusez-moi. Hommage. Allez, même la boutique, on va manger. Heureusement, nous fait pas la cuisine toute la journée, hein, parce qu'il nous fait le soir généralement. Hein, ah, et la journée, il y a un peu de coups de soleil. N'est-ce pas? Et le pire dans tout ça, là, il connaît rien que morceau, comment on râle ça? Rien que ça, même ce musée. Rien que ça, mamie, écoute, te rends compte. Ah non, mais t'es la jeunesse là, comment il influence sa nouveauté. Et dans le musée. La jeunesse, il influence sa jeunesse. C'est pas croyable. Connu ça? Ah, mais bien sûr, je suis. Ah oui, bah, bien sûr. Attends, du coup, ça a dit dans la musique. Les chiens n'est pas comme ça. Ah, m'a pas entendu ça. Mais dis ça même dedans. Ah, m'a pas entendu ça. Mais ça t'écoute pas, là. Eh, à moi, elle a séparé par vol que m'y écoute pas. Moi, c'est la mélodie. M'a entendu, elle dit les chiens bataillent. Ah. Bon, alors elle nous passe à table, elle nous mange, hein. Voilà, donc tout est décoré, voilà. Donc là, c'est le boucané. Donc, quel boucané? Le zandouille avec les lardons à l'intérieur. Et là, c'est le la morue. Moi, Bernard, ou en carême, donc à Ouyette, non, mais pas en carême, quand il arrive le vendredi, là, c'est un joueur qui m'aime pas trop moins la viande, ça. Même pas le poisson. Et même pas la viande aussi. Rien. Que ça s'appelle l'autre viande, là? Ah, je ne connais pas. La viande, ne mange pas la viande. Bon, pas la chair. Il mange boisson. Voilà, mange boisson. Hein? Coco, quand on fait un petit déco dans le plat comme ça. Ben oui, salade, de riz. Et pas dit de riz aussi ou d'oron? De riz. Ben de riz même, dit. De riz le poisson. Et le si vous voyez comme ça, François. Alors le riz est bon, hein. Dis, vois, mais vois, vois. Alors, Julie. La cuillère. Il y a pas. Il va où, bien, Clinette? Mais si, c'est attends, il y a pas. Lève-toi un autre morceau, après, râle ça. L'intéressant. Ah oui, c'est ça même. Maintenant, rentre le morceau. Comment t'y appelles? Mais pourquoi? Parce que mon image, elle a fait l'intéressant. Non, allez, non, mais c'est même. Juste pour rendre le morceau. Comment t'y appelles? N'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Hein? Coco, zandouille, la reste entier. Zandouille au lardon. Zandouille au lardon. Coco, merci, Coco, c'est gentil. On va pas mettre du piment là-dedans. Merci. Il est ici de me mettre pas trop de piment. Dans la morue, il n'a pas mettre trop de piment. Donc là, il y a un piment. Après, je vais prendre le bon. Les bons. On va prendre le bon. Les bons, alors. Bernard, c'est va où? Affine, c'est va où, Bernard? Les bons? Les bons, il y arrive là. Suive la file. Ils suivent la file. Avec Soleil Réunion. Cette émission vous a été proposée par Case Créole Construction, les maisons les moins chères à La Réunion.